Salut les gars, je vais choisir mon prochain engin avec vous. Je suis à Euro Import Moto, c'est parti. I'm overcoming the obstacles. I'm conquering the impossible. He said I was being illogical, but I have become the unstoppable. And why would I stop? Got a lot to do. I'm trying to travel where it's tropical. Don't call me, I ain't calling you. Cause that's why I do not rock. Allez, venez voir. Salut Baptiste. Salut William. Gérant de Euro Import Moto. Là, je vois direct qu'il y a un petit showroom qui m'intéresse. Donc, il est à toi. Je te laisse choisir. Pour moi qui vais choisir, c'est les abonnés. Donc, on va faire des sondages Instagram à chaque fois. Ok. Est-ce que vous préférez tel engin qui va venir à l'engin avec lequel je vais repartir. Et d'ailleurs, je crois qu'il y aura peut-être un jeu concours. Tu m'as dit peut-être un truc qui sera à gagner. On va voir. Restez bien dans la vidéo parce que vous pouvez aussi peut-être choisir votre prochain engin. Alors, les gars, premier sondage. Un quad électrique contre ce drift électrique également. Qu'est-ce que vous préférez comme engin? Propose en attendant le sondage, c'est d'essayer. Moi, ça me donne trop envie là. Ouais, t'es au courant que c'est pour faire du bêtises. Ouais, là, il y a moyen. Ça, franchement, je le ramènerai bien dans le local. En plus, avec le petit drapeau Spider-Man, c'est la classe. Hein. Moi, mon fils, il serait très content de l'avoir, mais on verra à la fin du sondage. Je suis un peu les trois. On dirait pas GMK sur sa voiture là. C'est clairement. Pour accélérer avec les genoux. Ah ouais. Bep. Faut vraiment y aller tout doux en fait. Hein. Sinon, t'es mort. Je me prends pas une moto d'ici là. Moi, c'est validé. Le sondage, j'aurais mis celui-là, moi, direct. Hop, on va aller voir le quad quand même. Faut que t'essayes, attends, essaye un petit coup quand même. Je dirais un peu une chaise de bureau, tu sais, avec un moteur devant. Oh là là, non. Quand tu vas trop vite, t'es mort là. Brave. On va aller voir le quad quand même, je pense que c'est rigolo aussi. Allez, let's go le quad. Forward, c'est bon. Voilà. Oh, ça bosse pour les gamins. En vrai, c'est marrant. Parce que vu que c'est un peu joueur, mets tout ton poids, penche-toi. Au revoir. Prêt pour les cascades en fait hein. Allez, essaye un petit coup et puis après on va aller voir le sondage. Je crois que c'est avec les jeux d'enfants comme ça qu'on peut se faire le plus mal en fait. Parce que t'es en mode ouais c'est un jeu d'enfant, ça va tranquille. Mais t'as vite fait te mettre par terre. Oh, le petit deux roues. Inter, deux coups dans l'autre sens. Allez salut, on le range. Salut, c'est bon, il est rangé. Bon allez, on va voir les résultats du sondage. Moi je sais pas, en vrai j'étais parti sur le drift. Je crois que le quad est pas mal hein. Toi t'aurais voté quoi? En vrai ça c'est plus amusant. Drift. On va voir les résultats. Drift, 66%. C'est lui qui gagne. Et la communauté est avec toi. Bon bah t'as gagné le premier combat. On passe au deuxième. La première moto, petite moto cross électrique. On est sur une dirt bike 2000 watts. Et j'ai envie de donner une deuxième chance quand même au quad. Celui-là c'est un électrique aussi. C'est ça. Là on passe sur la gamme Kayo du coup. Un 1500 watts. Ah donc ça a plus poussé que tout à l'heure. Bon les gars on passe sur motocross contre quad. Allez c'est parti. Le sondage est lancé. J'ai hâte. Bah mets tout à fond. Hein. Bah pour toi ouais. Vas-y David Guetta. Hop. Allez, c'est clair. Tu le testes? Vas-y. Ah, ça part direct. On te contrôlait derrière. Ouais. En accélération, ça pousse. Hein. On passe au quad. Ah, t'as le petit écran là. Ah oui, là. Stylé ça. Ah oui, l'accélération est douce là. Ça va. Ouais, par contre, je sens que tu peux prendre plus de speed par contre. Là, je suis à fond. Yeah. Je vais user les pneus là juste à faire du dérapage. Ouais c'est bien, ça te surprend pas comme. Pour les enfants c'est bien, franchement. Ouais ça va tu vois. En tout cas il y a du stock hein les gars. Si vous voulez du quad, de la moto Kayo, ici, il n'y a pas de soucis. Hein. Alors toi, plutôt moto ou plutôt quad du coup? J'avoue que là t'as encore plus de pêche. La moto est un peu plus joueuse pour nous qui aimons bien un peu le peps. Je pense qu'on partirait sur la moto. Alors résultat du sondage, on va mettre les deux à côté pour annoncer le résultat. Et je vous rappelle que là on est en train de négocier pour vous faire gagner peut-être un de ces engins que je vous présente dans la vidéo. Résultat du sondage, 80% pour la moto. Le quad a encore perdu. On va retourner dans le showroom et on va trouver des trucs un peu plus... Oui j'ai envie de faire un truc. Là on a essayé de l'électrique. On va voir si la communauté est plutôt électrique ou thermique. On va essayer de trouver des gabarits similaires pour faire ce sondage. Là je te ramène un vrai truc là. Donc là duel thermique électrique. Celle là du coup c'est quoi déjà? Dirt bike Kayo, la TT125. Et à côté on a la MX1. Mais là gros gabarit. Ouais là on est sur gros gabarit. Donc moto électrique 12 kW, boîte manuelle. Donc là on commence à être sur un joli joujou. Bon bah le gros duel est lancé hein. On fait le sondage, je le lance et on verra. Ouais. Peut-être que c'est serré, on aura des surprises hein. Électrique contre
Thermique. C'est parti. En attendant le résultat, c'est plutôt thermique ou électrique? Thermique, en vrai. Thermique moto, ouais. Moi, j'ai envie de soutenir la cause de l'électrique. Parce que là, je me suis lancé dans des engins électriques. Bon, on va quand même essayer la thermique. Vas-y. On va la démarrer, déjà juste pour voir un peu le bruit. De vraie moto là, je vais montrer le bon exemple. Je vais aller chercher un casque. Là, on passe aux choses sérieuses maintenant. Bon, c'est parti. Let's go. T'as moyen de te mettre par terre là avec ces conneries. Alors, hein. Alors ton avis sur cette moto? Bah, moi j'aime bien en vrai. Hein. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Regarde hein. Ce qui nous prépare. Et il nous a mis un petit saut en plus pour s'amuser là. Il me cherche hein. Tu crois que j'arrive à te sauter par dessus ou pas? Moi je veux te sauter par dessus hein. Toi t'as envie que je décède. Attends. Dis-le moi si t'as envie que je décède. C'est bizarre, ils font tous les malins derrière la caméra. Deux personnes. Ouais, allez-y, allez-y, moi je vous laisse. J'ai déjà fait deux fois. Hein. Principe de base, c'était juste tester la moto. Hein. Yes. Bon, là on est sur un jouet un peu trop rigolo là. Résultat du sondage, du coup, 61% pour le thermique. 61, franchement, on était pas loin. Hein. Donc, on passe à du thermique, puisque ça vous plaît le thermique. Mais par contre, on va prendre ce qu'il y a de plus puissant ici. On va comparer un quad et une motocross. Là, ça commence à faire rêver là. Hein. Bon, pas d'électrique là par contre, on aura que du thermique. Ouais. On va être sur des cylindrées un peu plus grosses. Donc là, on sera sur du 200, le A200. Que ouais. Du 4 temps sur les deux. On lance le sondage, le quad Caillot A200 thermique contre la motocross. C'est vous qui décidez pour ce duel final. Démarreur électrique. Oui, pas le casque. Ouais. Parce que là, ça fait très Baltimore. Ouais. Et là il faut de la place parce que c'est pas comme une moto tu vois, c'est beaucoup plus large. Par contre pour apprendre le wheeling je pense que t'es posé. Voilà. Ah tu vois tu le tiens là. C'était mon premier petit wheeling avec un quad. Il y a de quoi poncer mais c'est bon signe pour de futures vidéos. Juste avant de connaître le résultat du sondage, ils vont démarrer celui-là, c'est le A300 plus puissant de la gamme. Et là je crois que ça veut partir en gros donuts, burn. Le bruit que ça fait. C'est avec celui-là que je veux partir. Wow, impressionnant, mais ça fait des flammes derrière, non? Ouais. Wow. Et c'est folie avec le quad. Est-ce que c'est le quad qui va gagner? 82% pour la moto. Alors là, il n'y a pas débat. Vous avez largement préféré la moto. Donc, c'est la Caillot T2 Pro qui remporte ce battle. On va quand même la démarrer pour voir ce que ça donne. Hein. Je t'avoue que là, j'ai ma jauge de sensation qui est là, tu vois. Donc... Allez, on visite les...
Bon, je comprends pourquoi vous avez choisi les 82%, hein. C'est une dinguerie, hein. Bon, ça y est, on a la grande vainqueur, elle est là, attention, je vais repartir avec 7. Du coup, c'est la Dirt, la TT125 de Caillou qui vous a le plus plu, donc c'est celle-là que je prends. Et écoutez les gars, il y a Baptiste qui est juste derrière moi, je vais négocier un petit jeu concours pour vous en faire gagner une, attendez, on va négocier. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de leur faire plaisir et d'organiser un petit jeu concours pour en faire gagner une? Grosse négociation. Ouais, on peut. Juste qu'ils manifestent leur envie aussi dans les commentaires. C'est ça, exactement. Vous marquez je veux gagner une Caillou TT125. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Ciao les gars. Ciao.